Alors nous avons ici des témoins de notre histoire, et ce sont des témoins d'histoire douloureuse, dramatique, tragique, mais victorieuse aussi, puisque quand même beaucoup de nos matériels ont été des outils de la libération de notre territoire, de la Première Guerre mondiale comme de la Deuxième. Nous voulons, en quelque sorte, passer ce témoin à la jeunesse par la présentation de ces témoignages, les inciter à se replonger un peu sur ces pages de notre histoire. Conflit mondial a été gagné par la France et ses alliés grâce à l'appoint d'une invention technologique nouvelle, le blindé, le char. Les Français, assis sur leur victoire, n'ont pas voulu évoluer. Le char restera un appui et seulement un appui au niveau de l'infanterie. Et ce qui a fait notre victoire en 1918, ça a fait notre défaite en 40 parce que les Allemands, eux, ont évolué. Ah, le char, ça marche, ça protège les gens. On va l'employer en grandes unités compactes. Et c'est ce qui a fait leur victoire, avec des engins qui, au départ, étaient technologiquement moins évolués que les nôtres. Mais comme ils les employaient en masse, avec l'appui de l'aviation, ce que les Français ne faisaient pas, eh bien, c'est eux qui, cette fois-ci, ils ont percé le front français. Et jamais, même en reculant, les Français n'ont réussi à rétablir leur front parce qu'ils n'étaient pas manœuvriers. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la France a eu deux fronts. Le front des théâtres d'opérations extérieures, donc qui est symbolisé par notre gauche avec l'Indochine, l'Algérie, le Liban, le Koweït, et puis la phase contre le pacte de Varsovie, ce qu'on appelle la guerre froide. Alors le dernier engin issu de la guerre froide, c'est le Leclerc, mais l'engin le plus emblématique de l'interposition face au pacte de Varsovie pendant la guerre froide, c'est la MX-30. Qui a ensuite été amélioré en version MX-30 B2, c'est celui-ci. Alors, notre collection est d'environ 220 en matériel présenté. Nous avons quand même 600 matériels dans les réserves. Parmi ceux-là, nous avons un véhicule, un matériel qui s'appelle le FCM-36, c'est-à-dire élaboré, construit en 1936, et qui peu à peu, par nos mécaniciens, a été remis en état. Un de nos membres de notre association, M. Steinbach, a été lui-même chef de char d'un de ces engins et il a eu l'occasion de livrer un combat contre les chars de l'armée allemande en juin 1940. Donc là, on est à 10-15 jours de la présentation à M. Steinbach. La plus grosse partie est faite, donc l'intégration, les premiers essais en statique sont faits. Il nous reste à faire tout ce qui est partie essai dynamique pour voir si à peu près il roule à peu près correctement, si on roule à peu près en sécurité aussi. Je sais pas comment il va réagir. À première vue, bon, on l'avait invité quand on avait fait les premiers démarrages moteurs. Il était quand même très très ému, très très content qu'on s'occupe de ce véhicule-là. À Chémery, on est parti, ma section, vers Bulson-Connage. Et à 300-400 mètres, on est tombé sur un anti-char allemand qui était au bord de la route sur la droite. Bon, il ne nous a pas fait beaucoup de mal parce que les obus de 37 tombaient sur la tourelle et ça rougissait le métal. Puis ça envoie des petits morceaux, des aiguilles de métal qui déchirent les bêtes de cuir. Mais ça a été facile de le supprimer. Puis après ça, on a vu arriver les 3, les ZW3. Alors, ils avaient des tubes. Ça a été la fin.
À 10h ou 10h30 du matin, il restait 10 chars sur les 39. Mon char est mort le dernier. J'étais aux prises avec un 37. Et j'ai eu mes épiscopes qui me sont tombés dessus. Je suis tombé dans le fond du char. Et mon mécanicien qui avait vu leur petit char s'est précipité dessus. Et puis il m'a insulté, ça m'a réveillé. Ça fait qu'à 50 mètres. Ben, les malheureux, ça a été la fin de la guerre pour eux. On a tiré dessus, même presque trop, hein. Mais j'étais en colère. Je suis reconnaissant à un point extraordinaire au musée des blindés lui-même, parce que je ne pensais pas qu'on arriverait à remettre ce char d'aplomb. C'est extrêmement émouvant de retrouver le même char que celui que j'avais en 1947. Pour moi, c'est difficile à expliquer, mais c'est une partie de moi-même. Et en même temps, c'est mes camarades qui sont parvenus, c'est la guerre, quoi. Il faut qu'on sache l'histoire et ce qu'elle représente en sacrifice, en devoir accompli. C'est nécessaire, c'est un héritage qu'on doit passer à la jeunesse française. Eh bien, il faut pour ça qu'elle sache.